Il y a quelque temps, Kelly Vedovelli a affolé ses fans en supprimant toutes ses publications sur Instagram avant de disparaître du réseau social. Depuis le début de la semaine, la chroniqueuse n'est pas non plus présente dans Touche pas à mon poste, l'émission présentée par Cyril Hanouna. D'habitude très proche de sa communauté, ses abonnés n'ont donc pas hésité à lui envoyer de nombreux messages sur Twitter, afin d'en savoir plus sur sa soudaine disparition. Tu es plus dans hashtag TPMP? Ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. Ta fraîcheur manque ou encore vivement le retour de notre sublime Kelly, elle nous manque tellement, peut-on lire. Consciente de l'inquiétude des téléspectateurs, la chroniqueuse a donc voulu les rassurer en publiant une photo le 6 janvier dernier sur son compte Instagram. Sur celle-ci, on peut voir des palmiers qui laissent penser qu'elle était tout simplement encore en vacances. En légende, elle écrit « De retour dans quelques jours ». Tout va bien, merci beaucoup pour vos messages. Trop d'amour. Un simple message qui devrait faire plaisir aux téléspectateurs, impatients de la revoir dans l'émission. Il semblerait que l'année 2021 soit synonyme de nouveau départ. Alors que Kelly Vedovelli promet à ses fans un retour prochainement, Cyril Hanouna a, quant à lui, souhaité faire un pas vers Karine Le Marchand. Vous savez quoi, je crois qu'il habite avec Karine Le Marchand donc embrasse-la aussi pour la nouvelle année, a-t-il déclaré alors qu'il parlait de Stéphane Plaza. Pour rappel, une polémique a vu le jour le 16 décembre dernier après que Jean-Michel Mersenne soit directement pris à l'animatrice de M6. Il avait déclaré que celle-ci s'était rendue à la clinique des Champs-Élysées et avait refusé de payer la prestation en utilisant sa notoriété. Des accusations auxquelles Karine Le Marchand avait répondu dans un poste dont la légende disait vérifier, mensonge, harcèlement. No comment. Suite à ça, la direction de M6 avait publié un communiqué dans lequel elle soutenait la présentatrice. Ce petit geste permettra-t-il d'apaiser les tensions? Kelly Vedovelli, l'ennemi de Karine Le Marchand? Si Cyril Hanouna a souhaité enterrer la hache de guerre, il semblerait que celle entre Karine Le Marchand et Kelly Vedovelli reste bien présente. À plusieurs reprises sur le plateau de Touche pas à mon poste, la jeune femme saine est prise directement à la présentatrice de l'amour et dans le pré. Elle n'avait donc pas hésité à affirmer que sa prestation était hypocrite avant d'expliquer, on voit à quel point elle se moque de nous depuis le début. Là si est-il la preuve qu'elle n'a rien à faire des gens et que même sa façon de présenter, ça montre son hypocrisie. Une fois de retour dans l'émission, réitéra-t-elle ses propos ?